In 3 days' time, I retire. My retirement for me is marked by the establishment of a centre, Sussex Institute, for the Gender Studies in the University of Cambridge, of which I am the founder director. For 11 years, we have run a voluntary programme of lectures, weekly research seminars, symposia and conferences. The establishment of this centre, of this institute, officially within the university, it's a very backward university as far as gender is concerned, is a big moment, which I would like to share with you as the background to this talk. Le départ à la retraite est l'un des moments de la vie où l'on considère les étapes de notre vie professionnelle et intellectuelle qui nous ont menés au point où nous en sommes arrivés. Moi, Juliette Mitchell, je pars à la retraite dans 3 jours. Dans mon cas, ce départ est marqué par la fondation du Centre pour les études de genre de l'Université de Cambridge. Cela faisait 11 ans que nous organisions bénévolement un cycle de cours, de séminaires et de recherches hebdomadaires, de conférences et de colloques sur le genre. C'est donc une profonde satisfaction de voir en 2008 l'université officialiser en son sein l'existence de ce secteur d'études. I started to write about women in 1963 and published Women, the Longest Revolution in 1966. At that time, I was a lecturer in English literature at the universities of Leeds and then Reading in the north and middle of England. In the 1970s, I trained as a psychoanalyst and practiced clinically for approximately 25 years, returning to the university, this time the University of Cambridge, in 1996. J'ai commencé d'écrire sur les femmes en 1963 et j'ai publié en 1966 Women, the Longest Revolution, Femmes, la plus longue révolution. J'étais à l'époque maître de conférence de littérature anglaise à l'université de Leeds, au nord de l'Angleterre, puis de Reading. Dans les années 1970, j'ai suivi une formation à la psychanalyse et je me suis installée comme praticienne pendant quelques 25 ans. Avant de reprendre un poste à l'université à Cambridge, cette fois en 1966. It is only with hindsight and prompted by a comment in a review of my last book, which is called Siblings, Sex and Violence. Sex en anglais, c'est le sexe et aussi sexualité. Alors c'est les sœurs et les frères, sexualité et violence. That I realized that a concern with women and gender ran like a red thread throughout my work. My 25 years as a psychoanalytic clinician marks something of a hiatus. I was never a feminist psychoanalyst. I was a feminist and a psychoanalyst. I want to discuss the red thread of women gender, noting both the continuity and the transition between those two terms. As a psychoanalyst, I strongly resisted the introduction of the term gender, genre, until sometime in this century, when I had a road to Damascus conversion and saw that where women could never be a conceptual term, because as every feminist recognizes, and as Lacan put it, the woman does not exist. Gender, on the other hand, as Joan Scott put it, in a now cliched phrase, is a category of analysis, and hence could become deployable as a theoretical tool. Lorsque je regarde en arrière, je m'aperçois que mon œuvre a été marquée par un fil rouge qui est mon intérêt pour les femmes et pour le genre. Je n'ai jamais été une psychanalyste féministe. J'étais à la fois psychanalyste et féministe. En tant que féministe, je me suis violemment opposée à l'adoption du terme genre jusqu'à ce qu'au début du XXIe siècle, je connaisse comme Saint Paul mon expérience sur la route de Damas, et que j'admette que le terme « femme » ne pourra jamais prendre un sens conceptuel, étant donné que, comme toute féministe le sait, et comme Lacan l'a écrit, la femme n'existe pas. D'un autre côté, comme John Scott l'a écrit à l'aide d'une expression devenue un cliché, le genre est une catégorie d'analyse, et de ce fait, le terme peut être utilisé comme outil théorique. Instead of giving a chronological, biographical account of my work, I'm going to single out what I think are 3, perhaps 4, interventions that I have made. These are, 1, the first, an attempt at a theoretical discussion of women's position
that contained a model of change as part of that explanation. Women, unfortunately, still struggle for the revolution that has taken the longest time ever to be realized. That was number one intervention. The second intervention was to see that such a theory needed the introduction of unconscious processes. This was my book, Psychoanalysis and Feminism, and the introduction to a volume I co-edited with an English writer, Jacqueline Rose, who translated essays on femininity written by the École Freudienne, the school of Jacques Lacan. Plutôt que de suivre un récit biographique chronologique, je vais essayer de distinguer les trois ou quatre contributions significatives que j'ai apportées au cours de mon travail scientifique. La première est une tentative de discussion théorique rendant compte de la situation des femmes et contenant de façon implicite un nouveau modèle de société. Malheureusement, les femmes sont aujourd'hui encore engagées dans les combats de cette révolution qui est la plus longue de l'histoire à se réaliser. Ma seconde contribution a été de m'apercevoir qu'une telle théorie impliquait l'introduction de processus inconscients. C'est ce que j'ai montré, dans Psychanalyse et Féministe. Et dans l'introduction au volume que j'ai coédité avec Jacqueline Rose, la traductrice en anglais des essais sur la féminité, écrits par des disciples de Jacques Lacan. The third intervention was to argue that the social sciences, and for that matter the natural sciences, privilege a vertical axis for explanations, and that there is a horizontal axis of lateral relations, from Serre Frère to Peers and Affines, that I first wrote about in my book Mad Men and Medusas, which is here sur la piste de l'hystérie, and my last book, which is Sœurs et Frères, Sexuality et Violence. Because of the backlash against feminism, the editor, the publisher, would not allow my title in the last one to be Sexuality, Violence et Genre, cut out genre. Mm-hmm. The fourth, which is not really an intervention, which is why I said there's three, perhaps four, is not an innovation, but an extension and a recovery, which coincides with my discovery, other people have discovered them too, of Sœurs et Frères. And this was the re-universalizing of hysteria, we can all be hysterics, through the restoration of the male hysteric. Both the universalizing of hysteria and the presence of male hysteria were indeed the foundation stones of psychoanalysis, but had got lost, and their implications for gender had not been fully realized. So that wasn't a completely new intervention, it was a rediscovery. Alors, ma seconde contribution... Non, la troisième. Ma troisième contribution a été de démontrer que les sciences sociales, et en l'occurrence les sciences naturelles, privilégient un axe d'explication verticale, alors qu'il existe aussi un axe horizontal de relation avec les frères et les sœurs, les pères et les affins. Ce qui a donné naissance, d'une part, au livre « Frères et sœurs » sur la piste de l'hystérie masculine, publié aux éditions des Femmes, au mois de juin 2008, et à Sibling, Sexuality and Violence, qui n'est pas encore traduit en français. Juliette Mitchell aurait souhaité ajouter le terme genre, mais cela n'a pas été gender, ce qui n'a pas été accepté par son éditeur anglais. Ma quatrième contribution n'était pas une innovation, mais un développement induit par la découverte de l'importance des collatéraux. Elle a consisté à rendre son caractère universel à l'hystérie par le biais du sujet hystérique masculin. Ces données faisaient partie du socle fondateur de la psychanalyse, mais elles avaient été perdues de vue et leur implication dans la définition du genre n'avait pas été pleinement prise en compte. Each of these three or four interventions builds on what is missing in the previous one. But what is missing always turns out to be something to do with gender.
Chacune de ces trois ou quatre contributions se fonde sur ce qui manque, s'appuie sur ce qui manque dans la précédente contribution. Mais ce qui manque a toujours quelque chose à voir avec le genre. Before my first publication, Women, the Longest Revolution, my work had been historical and empirical, trying to find out the position of women in England. Perhaps the most important finding was how hard it was to find anything, to discover anything, to find anything about women at work, girls at school, even the history of feminism in history. This absence of women is a pincer movement. It comes from two sides. An obliteration, which is taking place even as we talk now, and as well, an absence of a category. The extreme end of both the obliteration of women and the absence of the category is the housewife in imperial China who was supposed to respond to some visitor at the house with a statement, she was in the house, somebody visits the house, and she had to call out, no one is here. Avant la publication de Women, the Longest Revolution, mon œuvre était essentiellement historique et empirique à la recherche de la situation des femmes, de la condition des femmes en Angleterre. Ma découverte la plus importante a été de me rendre compte combien il était difficile de trouver quoi que ce soit sur les femmes au travail, sur les jeunes filles à l'école et même sur les féministes dans l'histoire. Cette absence est la conséquence d'un mouvement de tenaille, un effet d'oblitération qui se produit encore au moment même où je vous parle et à une absence de catégorisation, de catégorie définie. La forme extrême de ce phénomène est illustrée par l'histoire bien connue de cette ménagère de la Chine impériale qui répond aux visiteurs qui se présentent à la porte de sa maison. Non, non, il n'y a personne ici. Dans les années 1960s, a government inquiry classified a woman only as either a daughter of a father or a wife of a husband. There was no other category. The advent of sociology had endowed investigations with social class classifications, A to E, but there was no information on how a girl fared compared with a boy at school examinations. The gender classification wasn't there, you couldn't find out. Dans les années 1960, un formulaire du gouvernement britannique classait les femmes soit comme filles de leur père, soit comme femmes de leur mari. Il n'y avait pas d'autres catégories existantes. L'apparition de la sociologie avait donné à la recherche les distinctions de classe sociale, mais il n'y avait aucune information sur les résultats comparés entre filles et garçons aux examens. Il n'y avait aucune classification par genre. When this year, 2008, I addressed the question of what is meant by gender in a lecture to establish our centre in Cambridge, I recall having recently set an examination question for the final examination for undergraduate students. My question for them to answer in their exam was, what did feminism contribute to postmodernism? I had my question returned to me by the people who set the exams, the examiners, with the statement that I had made a serious mistake. The question must be the other way round. What had postmodernism contributed to feminism? I then remembered that my obviously completely intentional question had been prompted by reading a book by an English historian, Perry Anderson, The Origins of Postmodernism, which he published in 1995. Of the 345 names in this book on the origins of postmodernism, 10 are women out of 345. Of those 10, one is Margaret Thatcher and the other Rosa Luxemburg. Not one other woman than these two is mentioned in their own right, nor does feminism feature at all. Quand cette année,
En 2008, je me suis attaquée à la définition du genre dans le cadre de la fondation du nouveau centre de Cambridge. Je me souviens avoir récemment donné comme sujet pour l'examen final à l'université quelle a été la contribution du féminisme au postmodernisme. Pour me voir renvoyer le sujet par les officiels chargés de la rédaction des sujets, au motif que j'avais fait une erreur dans la rédaction et qu'il fallait poser la question dans l'autre sens. En ce qui me concerne naturellement, l'ordre de ma question était évidemment intentionnel. J'avais en mémoire le cas de l'historien Perry Anderson, qui enseigne aujourd'hui à l'Université de Los Angeles, dans son livre paru en 1995, intitulé « Les origines du postmodernisme ». Sur les 345 noms cités dans son livre, 10 seulement étaient des noms de femmes, parmi lesquels ceux de Margaret Thatcher et de Rosa Luxembourg. Aucun autre nom féminin était mentionné, à part entière, et le rôle du féminisme n'apparaissait nulle part. Neither woman nor any derivative of women can take up the position of a subject, even in intellectual discourse and analysis. And this was Anderson, who had been very helpful and supportive in the transition of my work from the empirical historical inquiry to the publication of Women, the Longest Revolution, in the magazine New Left Review, of which he was the editor. The omission of women is not personal and idiosyncratic. It is and continues to be structural. Aucune femme ou personne décrite par un dérivé du mot femme ne peut assumer une position de sujet dans le discours et l'analyse intellectuelle. Et pourtant, c'est le même Perry Anderson qui m'avait aidé considérablement alors qu'il était rédacteur en chef de la New Left Review et qui a publié dans la publication de Women and the Longest Revolution. L'omission du mot « femme » n'est donc pas un trait personnel ou idiosyncratique, elle est et continue d'être un trait structurel. It was possibly this observation of a structural absence, empirically and conceptually, that informed my theoretical intervention. That, and the realization that if one was to learn anything about women, then one would find them in the growing body of work on the sociology and anthropology of the family. C'est peut-être bien la prise de conscience empirique et conceptuelle de cette absence structurelle qui a servi de base à ma contribution théorique, de même que la prise de conscience du fait que si l'on voulait apprendre quelque chose sur les femmes, on ne le trouverait que dans le corpus sans cesse croissant du travail des sociologues et des anthropologues de la famille. The object and the analysis of that object are homologous, they're homologues. The woman, who was no one, as in imperial China, was located in the family into which she disappeared as mother for reproduction and girl for sexuality. As woman, she was researched as the family. Girls in working class employment, as it then was, were placed with men, girls and men, as a social class. L'objet et l'analyse étaient homologues. La femme qui n'était personne se trouvait dans la famille avec laquelle elle se confondait comme mère à des fins de reproduction et comme fille dans l'exercice de la sexualité. Sous le vocable femme, on ne pouvait la trouver que dans la rubrique famille. En revanche, dans la classification emploi prolétarien, les filles étaient placées avec les hommes en tant que classe. With hindsight, structuralism was singing its swan song. However, to find the structure is to explain both a presence and an absence. Women, the Longest Revolution, takes the three key structures of the family, not the family as a monolithic object of sociological research. These structures are sexuality, reproduction, childcare. But the family is not an isolate. It is surrounded by the world of work. And here, the new Marxism of Louis Althusser came in with the notion of what he called determination by the economy in the last instance. But each separate structure, in this case sexuality, reproduction and childcare, had a degree of autonomy.
Quand on regarde rétrospectivement, on s'aperçoit que le structuralisme en était à son champ du cygne. Cependant, trouver une structure, c'est expliquer à la fois la présence et l'absence de quelque chose. Women, The Longest Revolution, traite des trois structures clés de la famille et ne prend pas la famille comme objet monolithique de recherche sociologique. Ces trois structures sont la sexualité, la reproduction et les soins donnés aux enfants. Mais la famille n'est pas un isolat. Elle est entourée par le monde du travail, et c'est là qu'intervenaient Louis Althusser et son nouveau marxisme, alléguant que la détermination par l'économie se manifestait en dernière instance, toute autre structure possédant un certain degré d'autonomie. C'est seulement quand je pensais pour cette conférence pour vous que j'ai découvert que, encore plus que 40 années later, I was influenced by the same way of thinking. Siblings, sœurs et frères, which Freud placed in the same class as parents, mère et père, and subjugated to an analysis of Oedipal structures, have, I believe, to the contrary, a degree of autonomy. The concern with the possibility of change, of social change, informs both ways of looking at both the earlier work and the autonomy of sexuality, reproduction, and childcare, and now, today, looking at the autonomy of this horizontal axis, these lateral relationships. C'est seulement en préparant cette conférence pour cet après-midi que Juliette Mitchell s'est aperçue, plus de 40 ans plus tard, que tout cela découlait d'un même raisonnement. Les collatéraux frères et sœurs que Freud plaçait dans la même catégorie, la même classe que les pères et mères, et qu'il soumettait à une analyse des structures oedipiennes, jouissent au contraire d'un certain degré d'autonomie. L'inquiétude devant la possibilité de changement affecte parents et collatéraux, même si elle agit différemment. For women in the Western world in the 1960s, changing sexuality with the contraceptive pill was certainly changing gender relationships. The institution of prostitution has always asserted the separation of sexuality from reproduction. The pill shifted the range of reference from a marginalized, denigrated population to everyone. Crucially, it ensured the extension of the separation of reproduction and sexuality into the dominant social class with its hegemonic ideology. In turn, this introduced the possibility that motherhood no longer defined women, nor fatherhood men. Pour les femmes occidentales des années 1960, les changements induits dans leur sexualité par la pilule contraceptive modifiaient certainement les relations de genre. La prostitution a toujours conforté la séparation entre sexualité et reproduction. La pilule contraceptive, elle, a fait glisser la référence d'une population marginale, dénigrée, les prostituées, à l'ensemble de la population. D'une manière tout à fait cruciale, la pilule a fait entrer cette distinction dans les rangs de la classe dominante et de son idéologie hégémonique. Elle a introduit la possibilité de ne plus définir les femmes par la maternité et les hommes par la paternité. But probably the economy was determinant in the last instance, because the immediate effect was to free, in the Chinese expression, half the sky in the dominant social class to join their poorer sisters in full-time employment. As Marx had said, war, in this later case World War II, had given a proleptic vision of the future directions. More non-reproductive sex, and full employment for all classes of women, to causes and effects of the demographic transition to non-replacement populations which we are experiencing today. Feminism came on the scene again in the late 1960s to try and put politics in command of what was happening. Mais l'économie se révéla probablement comme facteur déterminant en dernière instance, puisque l'effet immédiat
fut de libérer les femmes de la classe dominante et de les inciter à rejoindre leurs sœurs moins favorisées qui étaient salariées à plein temps. Comme l'avait dit Marx, la guerre, dans le cas présent la Seconde Guerre mondiale, avait donné une vision annonciatrice des tendances de l'avenir, une sexualité sans visée reproductrice et l'emploi à plein temps pour les femmes de toutes les classes sociales, deux causes et effets du non-remplacement démographique des populations que nous connaissons aujourd'hui. Le féminisme alors revint au premier plan de la scène pour essayer de rendre à la politique le pouvoir de décision quant à ce qui se passait. My second intervention was Psychoanalysis and Feminism, published in 1974. But the questions of women the longest revolution did not go away. In a certain manner, my interest in these questions was predominantly expressed at that time in political activism. The sexual revolution was also the student movement, culminating in 68. Although a lecturer, not a student, I was young and very active in this, being one of the founder members of the Anti-University of London, where in the late 60s I ran a seminar on the oppression of women. Ma contribution suivante fut Psychanalyse et politique, publiée. Psychanalyse et féminisme, publiée en 1974 et traduit en France d'abord en un volume, puis dans cette forme-là que certains ou certaines d'entre vous connaissent sans doute en deux volumes. Mais les questions posées dans The Longest Revolution demeurait. Alors je voudrais dire un mot sur The Longest Revolution, dont Juliette a parlé à de nombreuses reprises. Il se trouve que cet article, qui avait été écrit dans les années 60, n'a pas été traduit en français en tant que tel. Il a été, comme elle le dit, vampirisé, mais pour le meilleur, dans toute... en russe, en italien, dans toutes les langues, est traduit sous forme d'article qui, bien sûr, dont l'autorisation n'était absolument pas demandée à l'éditeur. En revanche, une partie de ce qui est traité dans The Longest Revolution, vous le retrouverez dans cet autre ouvrage de Juliette Mitchell qui s'appelle, qui en anglais s'appelait Women's Estate, et qui en français a été traduit sous le titre « L'âge de femme » et qui a été aussi publié aux éditions des femmes. Donc, je continue. D'une certaine façon, j'exprimais essentiellement mon intérêt pour ces questions sous la forme de mon activisme politique. La révolution sexuelle, c'était aussi le mouvement étudiant qui culmina en 1968. Bien que n'étant plus étudiante, mais maîtresse de conférence, j'étais alors jeune et très active. J'ai été l'une des fondatrices de l'Anti-Université de Londres, où j'animais à la fin des années 1960 un séminaire sur l'oppression des femmes. Women's liberation, which became feminism, overlapped with the student movement, and my research was closely tied in with this political practice. I edited three volumes with feminist sociologist Anne Oakley, The Rights and Wrongs of Women, What is Feminism, Who's Afraid of Feminism, in which I wrote essays addressed to contemporary questions, women's work, the meaning of feminism, the political economy of childcare. La libération des femmes s'entrecroisait avec le mouvement étudiant et ma recherche était intimement liée à l'action politique. Je co-dirigeais la préparation de trois volumes avec la sociologue féministe Anne Oakley, The Rights and Wrongs of Women, trois volumes qui n'ont pas été traduits en français, The Rights and Wrongs of Women, What is Feminism, Who is Afraid of Feminism, dans lequel je consacrais plusieurs essais à des sujets contemporains, le travail des femmes, le sens du féminisme et l'économie de l'éducation des enfants. Alors, The Rights and Wrongs of Women, ça veut dire les droits et les tort fait aux femmes. What is feminism? Ça parle de tout seul. Qu'est-ce que le féminisme? Et le troisième volume, Who is afraid of feminism?
qui a peur du féminisme. Psychoanalysis and feminism addressed what was missing in the longest revolution, just as that essay had arisen from the fact that women were missing from the historical account. What was missing was what I first thought of in Althusserian Marxist terms as ideology, defined by Louis Althusser as how do we live ourselves? Why and how do we think we are a woman or a man? This question in turn linked through Lacan and Freud to unconscious processes in the psyche. But this psychological concern of mine, which was growing, also joined another line of argument that had been going on at the same time with my socio-political questions, and this was literature. Psychanalyse et féminisme a été consacré à ce qui manquait dans The Longest Revolution. Tout comme cet ouvrage était né de la prise de conscience de l'absence des femmes du récit de la réalité, ce qui manquait désormais était ce que j'avais d'abord conçu en termes marxistes, althusseriens, comme l'idéologie, terme entendu dans le sens « comment nous vivons-nous nous-mêmes ? Pourquoi ? Et comment pensons-nous être une femme ou un homme ?» Cette question, par l'intermédiaire de Lacan et de Freud, se rattachait à des processus inconscients dans le psychisme. Mais cette question d'ordre psychologique me ramenait aussi à un autre de mes intérêts que je poursuivais parallèlement à l'étude des questions sociopolitiques, la littérature. I taught in universities English literature. I lived it. I analyzed it. I was publishing essays from an unfinished doctorate thesis on growth and childhood in the English Anglo-Saxon 19th century novel. Why, I wondered, were major French novels most often a slice of adult life, while English ones had a hero or heroine who grew up from childhood and whose development structured the novel? Dickens, the Brontes, George Eliot, Meredith, Henry James. For this question about why do we look at the hero or heroine always growing up, I used the phenomenological psychologies of what was then the anti-psychiatry movement with which I was also involved. R.D. Lang, Ronnie Lang, David Cooper, and their use of Jean-Paul Sartre, which was also where we had started as the younger cadres of the New Left Review. J'enseignais la littérature anglaise. Je la vivais, je l'analysais. Je publiais des extraits, des essais, extraits d'une thèse que je n'avais pas finie sur la croissance et l'enfance dans le roman anglo-saxon du XIXe siècle. Pourquoi, me demandais-je, les grands romans français étaient-ils le plus souvent fondés sur le récit d'une tranche de vie adulte, alors que les romans anglais avaient pour héros ou héroïne un personnage que l'on voyait grandir depuis l'enfance et dont la croissance donnait au roman sa structure? Les exemples étaient nombreux. Dickens, Les Sœurs Brontë, George Eliot, Meredith, Henry James. Pour tenter de répondre à cette question, je m'étais appuyée sur les approches de psychologie phénoménologique du mouvement des antipsychiatres dans lequel j'étais engagée, avec Ronald Lang, David Cooper, etc., ainsi que sur leurs emprunts à Sartre, ce qui avait été notre point de départ en tant que jeune responsable de la New Left Review. I had met Simone de Beauvoir, Claude Lancement, Sartre was sick, in the Coupole in the early 60s, when we planned a New Left Maison de Culture in London, for which we were soliciting the intellectual support of Les Temps Modernes. As a young group of people taking over the journal New Left Review in the early 60s, we wanted to make it more like Les Temps Modernes. My generation of New Left Review had broken with the previous Englishness to espouse French theory and culture. J'avais rencontré Simone de Beauvoir et Claude Lanzmann à la Coupole, Sartre était malade ce soir-là, au début des années 60, alors que nous envisagions de créer une maison de la culture de la New Left Review à Londres, pour laquelle nous sollicitions le soutien intellectuel des temps modernes. Nous avions alors, dans les années 1960, repris une revue qui existait déjà depuis un certain temps, dont nous avons parlé plusieurs fois, qui s'appelle la New Left Review, et nous avions l'ambition d'en faire un magazine, une revue intellectuelle
à l'imitation des temps modernes. J'ai oublié le plus important, ça c'est Gerhard Post, André Gortz qui est mort récemment. Ça c'est pourquoi j'ai oublié, je crois. Alors, André Gortz, c'est très important. Très important à nous, très important. Vous avez traduit son livre en anglais aussi. Il y avait aussi André Gortz. Ah, c'est le French. Ouais. Non, c'est bien. Il y avait aussi un Gortz, donc je répète, qui était aussi un personnage très important dans la fondation de notre revue, et on avait traduit son livre. Where the new my generation of New Left Review had broken with previous Englishness to espouse French theory and culture, where the New Left took up Parisian Marxism and cultural theory. The psychologists of the anti-psychiatry movement took up Sartre's phenomenology against current psychiatric practice. The New Left, but not the phenomenological psychologists, were interested in Lacan, initially through Althusser. Là où la New Left Review adoptait le marxisme, ma génération de rédacteurs de la New Left Review avait rompu avec le caractère anglais qui avait été le sien précédemment, pour adopter les théories et la culture française. Là où la New Left Review adoptait le marxisme et les théories culturelles parisiennes, les psychologistes adoptaient la phénoménologie sartrienne contre la pratique psychiatrique de l'époque. La New Left Review, elle, s'était au départ intéressée à Lacan à travers Althusser. My interest in the psychology of childhood in the novel joined the interest in Lacan in Paris, and I went to read Freud on the question of women, five chapters, one long summer vacation in the library of the British Museum. I read 23 volumes of Freud instead. 23 volumes écrits par Freud, tout Freud, puis j'ai passé 6 semaines à lire le discours de Rome de Lacan. What did psychoanalysis, my book Psychoanalysis and Feminism in 1974, try to do? It was trying to do something, I think, that went out of intellectual fashion. The book has remained in print, it's still in print, but was influential partly for reasons rather different from its intention. Que j'essayais de faire dans psychanalyse et féminisme? J'ai essayé de faire, je pense, quelque chose qui allait à rebours de la mode intellectuelle. Le livre a eu de l'influence et il est toujours édité. En partie pour des raisons complètement différentes de mes intentions initiales qui portaient l'empreinte de la genèse de cette recherche, une sorte d'anthropologie interne. J'ai dépassé. Et pas complètement. En partie. The overall original intention bore the marks of the genesis of the research. I was trying for a kind of internalized anthropology. How do we live ourselves? Which saw larger kinship structures as more general than specific family forms with which my earlier work had found women to be cognate. Donc il s'agissait d'une sorte d'anthropologie interne, comment nous vivons-nous nous-mêmes, qui envisageait les plus vastes structures de parenté en des termes plus généraux que les liens de famille spécifiques avec lesquels j'avais montré dans mes œuvres précédentes que les femmes étaient familières. Following Women the Longest Revolution, an American publisher had commissioned a book from me. The synopsis for this book that I gave him was all on the social history of women in the family. Instead, he got a book on Freud. What became so criticized with deconstruction and postmodernism was the universalism that linked Freud's Oedipus to kinship structures. The reinception of a women's movement for political reasons of course had to seek what women, qua women, in all their infinite variety, had in common. As women's oppression was in relation to men, we tried in those days to analyse how a generic difference became a general deference and always had done. À la suite de la publication de Women, The Longest Revolution, un éditeur américain m'avait commandé un livre dont le sujet, tel que je l'avais présenté dans mon synopsis, reposait entièrement sur une histoire sociale des femmes dans la famille. Au lieu de cela, je lui remis Freud, du pur Freud, ce qui fut par la suite si violemment critiqué par les adeptes de la déconstruction, puis du postmodernisme,
était l'universalisme qui liait l'Œdipe de Freud aux structures de parenté. La renaissance d'un mouvement des femmes, pour des raisons politiques, bien sûr, se devait de chercher ce que les femmes en tant que femmes, dans leur variété infinie, avaient en commun. Puisque l'oppression subie par les femmes était liée aux hommes, nous essayions d'analyser comment une différence générique se transformait en général en « difference », en oppression, et comment elle l'avait toujours fait. On va couper un peu parce que là, c'est plus long en français. I was accused. Attends, j'attends pas. Oh, nous avons le temps. Non, c'est rien. I was accused after writing feminism, psychoanalysis and feminism by feminists of being very pessimistic, a pessimistic analysis. I did not feel pessimistic. I wrote about Freud and women from about 1970 onwards. This was during the exciting, inspirational early days of the women's movement. However, in the longest revolution, Gramsci's optimism of the will had mitigated the pessimism of the intellect to integrate the buoyant feeling of 60s sexual liberation with the argument that sexuality was the current weak link in the chain of women's oppression. Je fus attaquée pour plusieurs raisons, mais plus sérieuse était l'accusation de féminisme, de pessimiste plutôt. Si, selon Freud, les femmes se construisent autour du complexe de castration, comment pouvait-on envisager un changement? Je n'étais pas pessimiste. J'avais commencé à écrire sur Freud et les femmes à partir des années 1970, autour de cette période enthousiasmante du mouvement des femmes. Cependant, dans The Longest Revolution, l'optimisme de la volonté, pour reprendre l'expression de Gramsci, avait tempéré le pessimisme de l'intelligence pour intégrer la sensation exaltante de la libération sexuelle des années 60, avec l'argumentation selon laquelle la sexualité était actuellement le maillon faible dans la chaîne de l'oppression des femmes. Here, there was nothing which joined the joie de vivre of early 70s feminism with arguments about women and the castration complex from psychoanalysis. Considering that problem of long ago from the vantage point of today, I think it is adding siblings, sœurs et frères, some 25 years later, that allows for hope to enter into the intellectual argument and the political action. From a gender perspective, as well as more generally, sœurs et frères change the psychoanalytic picture and therefore the social and political picture too. Il n'y avait aucun lien entre la joie de vivre du féminisme du début des années 70 et les arguments de la psychanalyse sur les femmes et le complexe de castration. Quand je regarde ce problème de l'époque, de mon point de vue actuel, je pense que c'est l'adjonction des collatéraux 25 ans plus tard qui permet à l'espoir de se glisser dans l'argumentation intellectuelle et l'action politique. Dans une perspective de genre, et même en termes plus généraux, l'introduction des collatéraux représente une révolution dans la représentation psychanalytique. Il y a des liens évidents entre cette époque... There are links between then and now. For instance, my current work on siblings, sœurs et frères, I found that Freud's 1905 Three Essays on Sexuality is even more radical than when I read it in the late 60s. The argument there is that the sexual drive does not have an object. This will be acquired and be very various. By the time of my work on sœurs et frères, I had had 25 years of clinical practice, and this observation took a new shape, separating sœurs et frères relations for gender sexuality, whereas reproduction, mother and father, belong to the Oedipal sexuality of sexual difference. So my latest work looks at what, for analytical reasons, I will separate into gender sexuality, which is non-reproductive, and reproduction, which is sexual difference within the terms of psychoanalysis. Il y a des liens évidents donc, entre cette époque et l'époque actuelle. Par exemple, en rédigeant mon ouvrage récent sur les collatéraux, intitulé Siblings, j'ai trouvé les trois essais sur la sexualité de Freud bien plus radicaux que lorsque je les avais lus pour la première fois à la fin des années 60.
La pulsion sexuelle n'a aucun objet. Celle-ci ne sera acquise que plus tard et pourra prendre les formes les plus diverses. Lorsque j'ai écrit mon livre sur les collatéraux, j'avais derrière moi 25 années de pratique clinique qui donnaient un aspect à la séparation entre collatéraux et la sexualité de genre. Alors que ce qui touche à la reproduction, le père et la mère, relève de la sexualité édipienne, de la différence des sexes. Women, the longest revolution, had singled out the new non-reproductive sexuality as a point of change. Psychoanalysis and feminism had defined women in the kinship psychoanalytic terms of sexual difference and reproduction. How do we become not women, but mothers?